Salut tout le monde, c'est Greg. On se retrouve pour un nouveau petit vlog, là, pour vous livrer encore une info qui vient de tomber il y a 4 heures. Comme vous le savez, l'état d'urgence a été voté en France pour lutter contre les méchants terroristes. Et donc, du coup, Cazeneuve, il peut assigner des gens à résidence. Alors, moi, j'en avais parlé, j'avais fait une vidéo. Beaucoup de gens l'avaient critiqué en disant mais tu vas loin en disant que ça va être un truc d'atteinte aux libertés et tout. Donc, pour tous ceux qui traitent de complotistes, Cazeneuve, il l'a juré, hein, il y a 2 jours. Hein. Il l'a dit à des paroles et des actes. Il a dit, les assignations à résidence, c'est que pour les gens qui sont suspectés de terrorisme. Et tout le monde a dit, bon, ça va. C'est des paroles et des actes, c'est sérieux. Il y a David Pujadas, il enfile un petit costard. Les gens croient à ce qu'il raconte. Hein, donc, le lendemain, Cazeneuve, hein, donc hier, a quand même averti la Cour européenne des droits de l'homme qui s'apprêtait quand même à éventuellement faire des atteintes aux droits de l'homme en France. On vous prévient, il se peut qu'on nique les gens. On vous le dit, non mais comme ça, s'il y a procès, on s'arrange. Donc voilà, au moins les gens sont prévenus. Et là, donc la première assignation à résidence vient de tomber. Enfin, la deuxième salve, en fait, la première, c'était le 16, juste après les attentats, ils avaient arrêté des suspectés des fichiers S. Donc là, voilà, pour tous ceux qui me traitent de complotiste, la seconde assignation à résidence salve vient de tomber et elle concerne. Hein, des terroristes? Ben non, mais pas du tout. 24 militants écologistes. Oh merde! Je vous l'avais dit que ce serait comme le Patriot Act. C'est un truc qu'ils ont fait aux États-Unis pour justifier contre le terrorisme et tout. 9 arrestations sur 10 concernent pas ça. Donc c'est évident. Donc 24 militants écologistes susceptibles de manifester violemment. Ils ont ramené des tambours et des cracheurs de feu. Parce que à gauche, des fois, ils s'énervent. Donc manifester violemment, il paraît qu'il y a Trio qui vient. Les gens ont eu peur. À l'occasion de la conférence des Nations Unies sur le changement climatique, la COP21, qui débute dimanche près de Paris. Donc voilà. Première assignation à résidence depuis la déclaration de Cazeneuve il y a 2 jours. C'est pas pour des terroristes, hein, c'est pour des militants écologistes. Vous voyez bien comment vous êtes en train de. Hein? On se fait bien niquer. En plus, il a assumé Cazeneuve, parce que pour aller à. Il a dit qu'il assumait complètement. Et pour dire ça, il a fait une petite photo. Il a dit ça au journaliste. Regarde, il est beau sur la photo. Il nous a même mis le costume de la Gestapo. Il a le chapeau rond, dis donc. C'est magnifique. Même, ils font des efforts en ce moment au gouvernement. Ils mettent même le décor. Donc voilà. Première assignation à résidence pour éviter que les écolos fassent sauter la petite partouze de François Hollande, la petite sauterie de dimanche. C'est la COP21, hein, c'est le truc sur le climat. Qui servira à rien, je le dis, parce que. C'est une réunion sérieuse, l'autre, il est content. Il reçoit du monde à la maison, François. Il a envie que ça se passe bien, parce que plus personne veut y aller à l'Élysée. C'est plus un lieu de décision. Aujourd'hui, ça se passe à New York, à Genève, où tu veux. Mais ça se passe pas du tout à l'Élysée. Faire une réunion sérieuse à l'Élysée, avec le cachalot, la Christiane Taubira à côté, Najat le lapin, et puis Manu qui tremble de la patte, c'est un décor. Tu peux pas faire un truc sérieux. Dis, bon. Ouais, ils nous reçoivent, les Français, on va bouffer les petits fours, et puis on va faire semblant de. Dépenser des millions du contribuable. Mais voilà, mais François Hollande, il y tient sa sauterie pour faire croire qu'il sert à peu près à quelque chose. Donc du coup, ça fait là à peu près un mois que François Hollande fait à peu près le tour de tous les pays d'Afrique avec son jet privé, là, son espèce de truc hors de prix qui pollue comme aucun avion pollue. Hein, c'est hallucinant. Donc il est en train de polluer la planète. Il a fait péter les budgets de dépenses de vol aérien. Le nombre d'heures de vol aérien d'un chef d'État de la Ve République, pour aller expliquer à tous les chefs d'État que dans 15 jours, on se voyait à Paris pour arrêter de polluer. Bon, allez, je reprends le jet. Pff, 3 nuages de fumée. C'est du François Hollande, c'est génial. Ça sert totalement à rien. Donc voilà, première assignation à résidence pour des écologistes. Faites tourner la vidéo, faites tourner l'info. Moi, je vous retrouve, tant que ce monde continuera pas à tourner à l'endroit, demain pour une autre série de vlogs. Monde de merde. Voilà, c'est juste un monde de merde. Bisous les copains.